Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on est dans mon jardin. Mais aujourd'hui les gars, vous savez, c'est le retour de Don. On va lui faire un petit prank. Voilà, je me suis dit, il est temps de pranker Eden. Il est temps, voilà, il est là. Faut qu'il se baigne dans le bain direct. Faut qu'il rentre dans le bain. Faut qu'il plonge comme un plongeur. Ok. Donc on va faire quoi les gars? On va aller prank Eden. Je lui dis, Eden, écoute, je vais t'envoyer un colis de fou. Voilà, Rockstar m'a envoyé ça. C'est de l'exclu, c'est du lourd. Donc lui, c'est pas du tout ce qu'il y a dedans. Tu vois, il sait pas. Je lui ai dit, Eden, s'il te plaît, quand tu reçois le colis, ne l'ouvre pas. Donc les gars, tout ça va se passer dans la vidéo. On va aller passer à la poste pour aller ramener tout ça. Et ensuite, on se retrouvera avec la caméra de Eden. Ok les gars, je me trouve actuellement à la poste. On va envoyer tout ça. La poste. Ah, il y a la poste, hein. Forcément. Tu peux l'envoyer par où? Bah, par la poste. Ouais, à mon avis de vous, on va partir sur ça. Le jeu dedans. Et c'est lui direct. Bon. On va envoyer tout ça les gars, ok? On va envoyer tout ça et puis on se retrouve tout de suite dans la caméra de Eden et tout. Salut à tous, donc du coup Nui m'a dit que mon colis était disponible, il faut que j'aille chercher, je sais pas du tout ce qu'il m'a envoyé. Donc je m'attends à tout. J'ai bien précisé à Nui, parce que c'est toi qui as monté la vidéo. J'ai précisé, je lui ai dit à Nui, écoute-moi bien. S'il te plaît, par pitié, ne m'envoie pas ta merde ou un caleçon usagé ou un truc comme ça. J'espère que c'est un truc qui va m'être utile. Et j'espère que c'est un beau cadeau, parce qu'il m'a dit ouais c'est un cadeau, ça se trouve c'est un truc qui va pas me plaire, donc voilà. Je sais pas du tout ce que c'est, je sais même pas si le carton il est gros, s'il est petit. En fait je sais, j'ai pas d'infos, il veut pas me donner d'infos. J'ai demandé à la salle veut pas me donner d'infos également. Le seul problème c'est que je suis en train de me penser comment je vais faire pour qu'il rentre dans la voiture en fait. Parce que vu que là j'ai acheté une Lamborghini, la Lamborghini, regardez je vais mettre en mode sport, hop. Attendez. Vous entendez quand je passe la vitesse? Ouais, du coup. Bref, on se retrouve là-bas. Je vais aller chercher le colis. Je sais pas ce que c'est encore une fois. Je sais pas. J'ai hâte en tout cas, mais d'un côté, j'ai un peu peur. Déjà, je vais sentir le carton. S'il pue la merde, je l'ouvre pas. Bref, let's go. Et je vais aller chercher ce colis. Du coup là j'ai récupéré donc le colis. J'avoue déjà dans un premier temps ça ressemble à une espèce, on dirait un jeu genre. On dirait un jeu vidéo. Je pense. Après voilà, c'est au toucher donc ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais on verra. En tout cas, Nui, promis je l'ouvre pas et promis j'en prends soin. Donc t'inquiète pas, on l'ouvrira en vidéo. Regarde, il est scellé, voilà, hop, tu vois pas, tu vois, hop. Donc voilà, j'en prends soin et puis on l'ouvrira en vidéo, let's go. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Bon ok les gars, on est actuellement avec Eden, comme vous avez pu le voir, il est parti récupérer le colis et il a le colis entre les mains. Eden, comment vas-tu déjà? Écoute, ça va tranquillement déjà, donc voilà, très très bien. Déjà merci beaucoup du cadeau, parce que même peu importe si j'aime ou pas, tu vois, je sais pas. Mais merci beaucoup de m'avoir envoyé un cadeau, je trouve ça mignon de ta part. Alors du coup, les abonnés, ils ont vu avant, ils savent ce que c'est comme cadeau. Je tiens à dire un truc, c'est que... Voilà, tu sais, bon déjà... Ah ouais, qu'il y a une odeur de merde juste ou... Non, déjà, je tiens à dire un truc, c'est que, voilà, comme tu sais, j'ai le mail de Rockstar. Et à chaque fois, il nous envoie des colis, tu le sais. Ok, oui, c'est... moi j'avais reçu également des trucs. Ouais. Voilà, il nous envoie tout le temps des petits goodies, on a eu d'ailleurs, faudra lui dire à la frérot là qu'elle puisse modifier mon adresse, parce que bon, elle a plus la même. C'est vrai, voilà. Donc comme tu sais, la salle, à chaque fois qu'on reçoit des colis, il met mon adresse. Donc là, il m'a dit, écoute, j'ai reçu un mail de Rockstar, ils vont nous envoyer des trucs, donc je mets ton adresse. Voilà, eux, ils nous connaissent en tant que Team Lassalle, donc à chaque fois quand ils m'envoient un truc, ils m'envoient tout le temps trois trucs. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai un truc en rab, ok? Ok. Voilà. Donc là, ce qu'il y a dans ton colis, j'enlève juste la... Ce qu'il y a dans ton colis, est-ce que tu peux le montrer à la caméra? Donc Eden aura sa caméra aussi. Je tiens à le dire, voilà. On t'a fait la surprise avec la salle, donc la salle n'est pas là malheureusement. C'est une caméra qui peut faire des placements de produits, du coup vous voyez super bien parce qu'il y a un super focus. Voilà. Effectivement, voilà, la salle, il a l'objet que t'as dans le truc chez lui actuellement. Il veut pas te dire ce que c'est direct, voilà, parce que voilà, je voulais te faire la surprise, donc c'est pour ça que je fais la vidéo, il voulait pas le faire sur sa chaîne. Ouais. Mais du coup je le fais sur ma chaîne. Donc ce que tu postes actuellement, c'est incroyable, je te le dis, c'est incroyable, c'est un truc incroyable. Dès que tu vas l'ouvrir, dès que tu vas ouvrir le truc, le colis, tu vas dire waouh. Est-ce que t'es prêt? Écoute, je suis prêt, depuis tout à l'heure j'essaie de montrer un peu des objets, mais vas-y, je suis prêt, ouais, quand tu veux. Ok, et bah écoute, Eden, on va sur ta caméra, c'est parti, je te laisse ouvrir et découvrir.
Alors attends, j'ai une idée, même ce qu'on va faire, c'est que toi tu vas pouvoir voir ma réaction aussi. Hop, donc là logiquement tu vas pouvoir voir ma réaction. Tu me vois, Enuin, coucou. Attends, ouais, je te vois. Ok. Donc là ton colis, regarde, je te montre, hein, je l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé l'étiquette où on voit l'adresse et tout. Même si on s'en fout, mais voilà. Okay, okay, ouais, on enlève l'étiquette, on sait jamais, au montage, tout ça. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, j'ai pas triché. Bah, après, je m'en fous. Mais j'ai pas non, triché. Non, mais Eden, hein. Ce que tu te rends pas compte, c'est que c'est de l'exclu là, ce que t'as dans les mains. C'est vrai, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade mental, je te le dis. Et si, genre, je sais un peu ce que c'est, genre, est-ce que tu m'en veux ou pas? Bah, normalement, tu sais pas ce que c'est. Personne ne le sait. Non, mais en fait, je pense, en fait, mais je suis pas sûr. Vas-y, dis-moi. Je vais t'expliquer, en fait, parce que je pense que je sais. Mais faut que je t'explique le contexte. Attends, j'essaie d'ouvrir, attends. Mais je vais ouvrir, vas-y, je vais pas faire suspect, je vais ouvrir. Et non mais attends, tu sais ce que c'est ou pas? C'est impossible, tu peux pas savoir ce que c'est. Mais en fait, je sais pas, genre, parce que je te connais, tu vois, c'est comme si, genre, enfin, c'est comme si je t'avais créé, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On se connaît genre, beaucoup avec Eden. Je sais un truc, c'est quand il y a par exemple une vidéo qui a marché sur ta chaîne, t'es capable de refaire avec moi derrière, donc je pense que c'est ça. Me dis pas que t'as... Attends, je regarde si c'est ça et on voit la réaction. Mais faut que je t'explique parce que franchement tu vas te taper une barre. Alors attends. Je te laisse ouvrir. Oh les bains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, t'as pas osé, Anuin, non, t'as pas osé. Tu m'as regardez, ça se balade. Y'a même pas de jaquette, t'as même pas fait l'effort de mettre une jaquette. Mais la jaquette, elle rentrait plus dans le truc. Ça se voit, la boîte, elle a du vécu, elle est sale et tout, tu vois. Attends, non mais, tu me crois pas? Mais attends, mais c'est quel jeu? Mets-le dans la PS5, tu verras, ça va t'amener un beau jeu. Mais attends, frérot, tu te fous de ma gueule. Non, mais regarde s'il te plaît, comment il est coupé, le truc. On dirait tu l'as fait pour d'art plastique, frère. Mais t'es mal, regardez le rond à l'intérieur. Ah, je suis mort. Regardez le rond à l'intérieur, il est même pas droit, regarde. C'était les rayés. Oh, t'as pas osé. Je tiens à dire un truc, c'est que je te jure que la salle, j'étais chez Eden, j'étais chez la salle. Ouais. Il y a 3-4 jours. Et. Il a encore le CD chez lui, il a le même exemplaire que toi. Vous êtes les deux au monde à avoir cet exemplaire de GTA 6. Bah frérot, je comprends pourquoi on est que deux, hein. ça a pas du tout. Ah mais c'est une exclu mondiale en fait ce que t'as dans les mains, c'est une exclu mondiale. Attends, mais est-ce qu'on voit genre le jeu derrière ou pas? Je sais pas, je sais même plus je l'ai mis sur quoi le tien. Attends, je sais pas. Non mais voilà, après... Non mais attends, dis-nous que t'as quand même crap... Enfin, tu savais hein, plus ou moins ce que c'était, pourquoi? Dis-nous tout. Alors en fait, je pense savoir ce que c'était. En fait, je t'explique le truc. C'est que j'ai été récupérer le colis et tout. Forcément, au toucher, bah, j'ai vu que c'était ça ressemblait à une boîte. Ouais. Et en secouant, j'ai l'habitude de recevoir d'acheter des jeux à l'époque comme ça. Donc je me suis dit, ça ressemble à une boîte de jeux. Ok. Et après... Du coup, et c'est là où je t'explique et j'en ai parlé à la salle. En fait, je t'explique. En fait, je veux t'envoyer les vidéos parce que j'ai filmé de mon côté. C'est ce que toi, t'as mis à l'introduction au tout début. Ouais, le vlog, la partie vlog. Je vais sur ta chaîne pour regarder, voir en fait ton mail pro parce que je me rappelais plus si c'était N1 Pro ou Pro N1 ou un autre que t'as changé depuis le temps, tu vois. Ouais. Je vais sur ta chaîne et je vais le faire même en direct parce que du coup, les gens, vous allez voir en direct. Donc là, je vais donc sur la chaîne de Edwin. Donc là, je vais dessus. Ah ouais, je me suis cramé comme ça. Et en fait, regardez, la première vidéo qu'il y a de Edwin, bah, c'est ça. Ah ouais, c'est sûr que j'étais assis à la salle en exclu, effectivement. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je pense pas qu'il a fait ça. Je l'ai laissé en présentation de chaîne. Mais écoute, je pensais que ça allait marcher, mais malheureusement... Non mais bien joué, en vrai c'était marrant, je vais le garder quand même. Non mais c'est un souvenir, par exemple la salle lui il l'a gardé en tant que souvenir, tu vois. Tu regarderas la vidéo, je sais pas si t'as regardé déjà mais... Non j'ai pas regardé justement, c'est ça qui... Bah tu regarderas, il l'a gardé en souvenir en gros. Ok, bah je regarderai. De toute façon après, bon c'est déjà ce qui compte et puis c'est marrant, tu vois, je crois que je vais le mettre... Je vais le garder, tu vois, parce que quand on aura l'officiel, et bah ça sera... On pourra dire que le mien est meilleur en termes de design, voilà. C'est toi qui as fait les... Ah oui, j'ai tout fait, bah tu as tout fait, tu regarderas la vidéo de la salle, Photoshop, okay. J'ai tout fait de moi-même, c'est tout a été fait,
Mais par contre, il y a un truc que je comprends pas. Non, mais les gens avaient bien aimé l'épisode avec la salle, donc j'espère qu'ils vont aimer celui-ci aussi. Mais malheureusement, qui est cramé. Mais la salle, t'aurais dû voir la réaction de la salle. J'étais mort de rire. Comme ah, là j'étais KO aussi. En vrai, faut que je regarde, ouais. J'étais KO aussi, là, j'étais mort de rire aussi. Mais là, en vrai. Du coup, attends, parce que j'en ai parlé à la salle, je lui ai dit, je pense savoir ce que c'est, mais j'ai peur que ça gâche sa vidéo et tout. Et je lui ai dit, mais je connais Anuin, je sais que quand il y a un truc qui marche, il va laisser sur moi. Et j'ai dit, je suis sûr, et ce con-là, il a dû laisser. Il a pas dû faire attention qu'il y avait la vidéo en présentation de chaîne. Ouais, dommage. Et là, il a rigolé, il m'a rien dit, tu vois. Il a rigolé. Mais quand il a rigolé, j'ai senti un peu que. Il a pas dit la salle a pas book-off, c'est pas une balance, les gars. C'est-à-dire que la salle, s'il se fait. Non, il a pas balance, ouais. Il est au poste de police, il dira pas c'est Anuin, quoi. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais du coup, merci pour GTA 6. Du coup, je vais aller faire des gameplays. Voilà, donc n'hésite pas. En plus de GTA 6, donc voilà. Donc n'hésite pas, Eden. Bon, écoutez, on va pas vous s'attarder longtemps non plus. J'espère que la petite partie vlog vous a plu au début de la vidéo. Et puis voilà. Et on se retrouve bientôt pour peut-être un autre prank sur Eden. Voilà. Effectivement, bah non, tu m'auras jamais. Mais moi, par contre, je t'aurai bientôt. On verra. Parce que oublie pas qu'on t'a troll il y a quelques années, Anuin. C'est vrai qu'ils m'ont troll pas mal de fois avec la salle. Bon, en tout cas, les gars, pouce bleu, abonnez-vous et ciao, ciao. Et on fera gagner un exemplaire à celui qui a le plus de likes dans les commentaires. Allez, c'est parti, on vous l'offre l'exemplaire. Voilà.